Pops. Hein? Arrête de faire le marabout. Hein? Je sais que c'est pas drôle d'attendre. Moi non plus, j'aime pas ça. Mais là, on peut pas faire autrement. Il va arriver, ton ami ours. Oui, oui, il va arriver. Mais là, il est en quarantaine. Oh, fâche-toi pas, là. Hein? Mon oncle Darius m'a dit que la quarantaine, c'était très important pour un animal qui vient d'un autre pays. Viens ici, là. Viens, viens ici. Bon. Il doit être gardé tout seul pendant quelques temps pour vérifier s'il apporte pas des maladies avec lui. Hmm? Fais-toi-en pas, là. Hein, si tout va bien, ton ami Oups va arriver aujourd'hui. Oui, oui. Mon oncle Darius me l'a promis. Tiens, qu'est-ce que t'as fait de la photo de ton ami Oups? C'est celle que je t'ai ramenée du désert, là. Hey, va aller chercher. Ah! Bon, bon, bon. Évidemment, il fallait que tu grignotes les coins, hein? Bon, regarde là, là. Ça va t'aider à l'attendre. Ah. Je sais pas à quoi tu joues, mon ours, mais t'es drôle. Je t'ai jamais vu faire des folies comme ça. Ah, mon oncle Darius, as-tu des nouvelles? De très bonnes nouvelles, Stella. Tout va bien, oui. Le spécimen qu'on a rapporté est en parfaite santé. Wow! La quarantaine du Hoops est terminée. On va mettre la pensée à la cinquantaine. Hein? C'est une blague, Stella. Mais non, notre nouvel ami est libre et sera parmi nous cet après-midi. Yay! Mais je te préviens, Stella, j'ai une grande surprise. Hein? Une surprise? Ah oui, ma petite Stella, une grande surprise. À tantôt. Oui. Oh, bon, maintenant c'est l'heure de la grande toilette, Moops. Oui. D'abord le lavage, ensuite brosser le poil. Ah, t'as pas fini. Qu'est-ce que tu fais là, Stella? T'es pas prête? Non, je vais pas à l'école cet après-midi. Et mon oncle Darius vient d'appeler. La quarantaine du nouveau Oups est terminée. Et moi, je veux pas manquer son arrivée. Ton père veut que tu manques l'école? Oui, il m'a donné la permission parce que c'est une occasion spéciale. Ça fait assez longtemps que j'attends son arrivée, moi. Mais t'es chanceuse, hein? J'aimerais ça rester, moi. Reste! Mais je peux pas, j'ai déjà manqué une journée la semaine dernière. Oh, pourquoi tu viens pas, toi? Non, 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 non. Je vais être là quand il va arriver. Reste, toi. On va avoir du plaisir. Ah non, faut que j'aille. Oh. Salut. Bye. Bon, bon, maintenant, mon petit Oups. Tiens, on va te choisir un beau chapeau. Salut, bonhomme! Salut. Les fils, tu connais ça, toi? Non, pas tellement. De toute façon, j'ai pas le temps, faut que j'aille à l'école. Mais tu manques quelque chose. Regarde, c'est pas ordinaire, ça. Des super fils. Le son de mon clavier sera plus pareil. Écoute, j'ai presque mis ma chemise là-dessus, moi. Ta chemise. C'est une façon de parler. Toutes mes économies ont passé là-dedans, mais ça valait la peine. Tu vas voir quand tu vas entendre ça. De toute façon, c'est pas grave. Faut que j'aille à l'école. Tout. Oui, mais moi aussi, j'ai un cours tantôt, hein. Mais tu vas voir, si t'entends ça, ma musique est en avance sur n'importe quoi. Tu seras plus jamais en retard de ta vie. Oh, oh, oh! Besoin d'un adaptateur. J'en ai un dans ma chambre. Bouge pas. Tu le regretteras pas. Faut que j'aille à l'école. Salut, la compagnie! Ah, enfin, tu l'as emmené! Oui, mais je te jure qu'on veut me le faire payer cher. Je n'ai jamais vu un animal faire des entourloupettes comme ça. Oh! Mais tu sais, je n'aurais pas dû prendre le rapidotron. Non, pour moi, le pauvre animal était incommodé. Il ne s'attendait jamais à voyager à une telle vitesse. Oh, il va se faire! Bon, vite, vite, faut trouver un moyen de le calmer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais je ne sais pas. Ah, tiens, tiens, donne-moi la grande serviette, là, hein? Oui. Voilà. Ça, il va se sentir plus en sécurité. Oui? Oui. Bon, c'est juste une question de temps. Allez, non, tout doux. Doucement, hein? Doucement. Doux, doux, doux. Bon, je pense qu'elle est plus calme. Hé, mon oncle, la surprise, là, qu'est-ce que c'est? Ah, je sais pas si tu le mérites. Oh, mon oncle, t'as pas le droit de me faire ce coup-là. Tu sais,
Les surprises, c'est la chose que j'aime le plus au monde. Chut, pas si fort. Bon, je vais te dire ma surprise. Notre nouveau oups, c'est une... Pas une? C'est ça, c'est une femelle. Ah, dès le début, je me suis dit, hémisphère, mais c'est une femelle. Oui, je disais ça surtout à cause de sa couleur et de sa houppette. Ah oui? Mais quoi? Mais j'aurais pu me tromper. Qu'est-ce que je dis? J'aurais pu me tromper. Ah oui, parfois les oups sont bien trompeurs, tu sais. Ah oui, même moi, Stella, qui connais les oups depuis longtemps. Oui. Eh bien, parfois, je pense que j'ai l'air d'un éléphant. Oui, je dis ça parce que parfois, je me trompe. Mais c'est une femelle, ça veut dire qu'on a un couple de oups? Exactement. Ça veut dire que nos oups peuvent avoir des bébés? Oh! Un instant. Il faut d'abord savoir s'ils vont s'entendre. Stella, des bébés, ça se fait pas comme ça. Non, mais je suis sûre qu'ils vont bien s'entendre. Vite, on va aller la présenter à notre oups. Hé, Stella, prends ton temps, hein? Y a rien qui presse. Tout à coup, il arrivait que... Non, il arrivera rien. Je suis sûre que notre oups, là, va être aux petits oiseaux. Bon, essayons. Chut, attention, petit oups. Tiens, prends la cage, Stella. Oui. Attention, hein. Bon. Non, il faut y aller doucement. Oui? Oui, c'est comme les poissons qu'on ramène de l'animalerie. Tu sais, il faut leur donner le temps de s'acclimater à l'eau de l'aquarium. Si on va trop vite, eh bien, on risque de trop les saisir. J'ai tellement hâte de voir l'air qu'ils vont se faire quand ils vont se regarder dans les yeux. Oh oui, ils vont se... Bon, très bien, bon, allons-y. Mais pas de mouvement brusque, Stella. Oui. Allons-y. Je sais trop, moi, qu'est-ce que c'est. Non. Dans une seconde, ça va être terminé. Ah non, mon oncle. Mais qu'est-ce que t'as fait? J'étais en train de jouer quelque chose d'original, du jamais entendu. T'as bien raison, Rock. Je n'avais jamais rien entendu de semblable. Mais qu'est-ce qui te prend tout à coup? Ce n'est pas compliqué. Il y a une oups sauvage qui vient d'arriver. Oh non! Si t'as débranché mes fils, mais j'ai eu toutes les misères du monde à les brancher. Oui, j'ai fait ça. Ah, décourageant. Bon. Je vais t'aider à les remettre en place. Mais à une condition. Laquelle? Que tu me promettes de jouer moins fort. Mais je jouais pas si fort tout à l'heure. Bon. Assez perdu de temps. On va maintenant passer aux présentations. Oui. Tiens. Tu vas voir. C'est un oups très intelligent. Oui, très affectueux. C'est un oups extraordinaire. Je suis sûre, là, que t'en as jamais connu un comme lui. Puis toi, tu vas voir, elle est très... comment je peux dire... Bon, en tout cas, hein, tu vas voir. Wow! C'est merveilleux! Ils s'entendent! Bon, j'étais sûre que mon idée était bonne aussi. J'étais sûre qu'on n'était pas obligé d'attendre aussi longtemps, hein? Je pense que je vais ouvrir la cage maintenant. Hey, faut pas faire ça! Oh, je pensais pas qu'un oups pouvait être aussi sauvage. Reste là! Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Ah, mais je comprends! Mais Stella, pourquoi tu fais ça? C'est beaucoup trop tôt pour ouvrir la porte! Bon, écoute, viens prendre une collation, on va parler de tout ça, hein? Il est pas fait. Écoute, Stella, je voudrais que tu comprennes. Il n'est pas du tout question d'ouvrir la porte pour le moment. Oui. Elle, vois-tu, elle n'est pas apprivoisée comme le oups. Elle n'est pas prête à se promener en liberté. Mais inquiète-toi pas, je toucherai plus. Bon, tant mieux.
Alors, tu viens prendre une collation? Non, j'ai pas faim. J'aime mieux m'occuper du museau du Oups avant. Oh, oh petit Oups, t'es blessé. Ah, je ne pensais jamais à ce que ce soit aussi difficile avec cette petite bête-là, moi. Moi, ce que je trouve difficile, c'est de retrouver ma musique. Quand on joue pas fort, c'est pas pareil. Ce qui est difficile avec toi, Rock, c'est de parler d'autre chose que de ta musique. Alors, tu veux parler de quoi? Mais de la oupsette. Ah, oh, mais ça, c'est un bon rythme, ça. Écoute ça. Oupsette, 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 oupsette. Oupsette, 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 oupsette. Mais qu'est-ce que tu es en train de me faire faire là, toi? Mais non, mais laisse-toi faire, relax! Laisse faire, Rock. Moi, je te parle de la oupsette et toi, tu pars en ripompette. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, ta oupsette? Avec le oups, t'avais pas eu autant de misère. Mais ce n'est pas pareil. Avec lui, on n'a pas eu de problème parce qu'il était bébé quand il est arrivé ici. Non. Oh, c'est à peine s'il avait les yeux ouverts. C'est vrai. Tu le transportais partout dans tes bras. Hey! Oh! C'était juste une petite boule de poils. C'est presque rien. Oh. Oui? Oh, je me suis dépêchée. Darius, est-ce que le nouveau oups est arrivé? Oui, et puis elle a fait une arrivée triomphale. Oh, oui, comment ça? Je vais t'expliquer ça. Allez, viens mon oups, hein? Montre-lui que t'as meilleur caractère, hein? Oui. Faut qu'elle comprenne que t'as le goût de faire la paix. Allez, allez, viens mon oups, avant. Il paraît qu'elle a mordu le museau du oups. C'est assez décourageant, là. Je pensais pas que ça se passerait comme ça, moi. Tu vois? Tu vois comme elle est dangereuse? Tu trouves pas que ça fait pitié, toi? Quoi? Elle? Dans le fond, là, on a beaucoup dérangé sa vie, hein? Elle, là, elle vivait en toute liberté, hein? Elle pouvait courir partout dans le désert. Avec ses amis, ses frères, ses sœurs. Pourquoi tu dis ça? Je dis ça comme ça. Pour les animaux, ça doit être comme pour les personnes, non? Ce qui m'inquiète le plus, là, c'est les bébés. Quel bébé? Hey, s'ils n'arrivent pas à s'habituer l'un à l'autre, ils pourront jamais faire de bébé. Oh, oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, moi. As-tu une idée? Qu'est-ce que je devrais faire? Mais ce que tu devrais faire, là, c'est de laisser les oups tranquilles puis t'occuper de ton exposé oral. Mon exposé... Quel exposé? Mais si t'étais venu à l'école, tu saurais qu'on a commencé une recherche aujourd'hui. Que la semaine prochaine, il faut l'expliquer devant la classe. Puis il faut en faire une partie en fin de semaine. Une recherche, là, devant tout le monde? Ben oui, sur les grandes découvertes qui ont changé notre vie. Changer la vie. Oui, changer la vie, changer notre vie. Quelque chose, là, qui fait que le monde n'est pas comme avant. Bon, un exemple. Un jour, quelqu'un a inventé la roue. Bon, maintenant, on a des automobiles puis des patins à roulettes, tu comprends-tu? C'est ça, notre recherche? Ouais, mais faut que tu la fasses comme il faut. Hé, hey, tu sauras, Robin Brizard, là, que je suis capable de parler comme il faut, même devant toute la classe. Oh, c'est pas ça que je voulais dire. La maîtresse, elle a dit qu'il fallait suivre les étapes. Ça a l'air compliqué, là. Mais pas tant que ça. Pour commencer, il faut trouver un sujet. Bon, sujet, c'est pas si pire. Mais moi, mon problème, là, c'est que j'en ai pas d'idée. Il faut absolument là, que je trouve une invention intéressante. Hé, hey, pourquoi tu viendrais pas chez moi? Comme ça, on pourrait trouver une idée ensemble? Oh, plus tard, peut-être, on verra. Pour le moment, là, ce qui m'inquiète le plus, c'est eux. Oh, on n'est pas sortis du bois, hein? On a deux oups bien trop différents. Puis mon oups, là, il est capable de manger proprement. Il est capable de jouer avec moi, d'être drôle. Mais elle, va falloir qu'elle apprenne tout ça. Mais elle veut pas. D'abord, là, va falloir qu'elle arrête de mordre. Qu'elle obéisse, qu'elle vienne que je l'appelle. Ça fait beaucoup de choses à apprendre, ça, hein? Oh, j'espère que je vais réussir à l'apprivoiser. C'est donc bien long faire le ménage du gymnase. Moi, j'ai hâte que mon père arrive. J'ai hâte de lui montrer ma oupsette. Oh non, c'est pas vrai. Hey, j'ai déjà mis 2 heures à l'endormir. Oh.
Ouais, mais c'est toujours comme ça. C'est toujours la première nuit la plus difficile. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de patience. Oui, mais je vois pas qu'est-ce que je peux faire de plus. J'ai tout essayé. J'ai mis une couverture, j'ai chanté une berceuse, j'ai même donné un biberon. Je comprends, Stella. Je comprends, mais mon problème, c'est que je ne peux pas me faire réveiller à tout bout de champ. Je m'en vais à Tokyo demain, alors je dois me lever très tôt, car j'assiste à un symposium sur les nouveaux appareils audiovisuels. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Grand mot, le grand remède. Oh, doux, la oupsette. Oh, ça va faire, là, arrête! Oh, non, mon petit oups, c'est pas à toi que je parlais. Va te recoucher, là, hein? Va, oh, ça va te faire du bien. Bon, oupsette, là, attends, j'ai quelque chose pour toi. Tiens, écoute ça. Ça va te faire du bien, toi aussi. Bon, oupsette. Bon, c'est deux noms qui se ressemblent beaucoup trop, ça. Il va falloir que je lui trouve un nom à elle. Oh. C'est pas trop tôt. Tu m'avais dit plus tard, mais je pensais jamais que ce serait aussi tard. J'ai vu de la lumière, je suis venue quand même. C'est parce que je pense que j'ai trouvé. Mais t'es bien chanceuse, parce que moi, j'ai beau me creuser la tête, j'ai rien trouvé. Qu'est-ce que tu penses de tartine? C'est extraordinaire comme découverte. Tartine. Oh, je sais que c'est pas génial comme trouvaille, mais je fais mon possible. Ouais. À part ça, tu pourrais m'aider, hein? J'ai assez de difficultés à en trouver un pour moi. Comment ça pour toi? Tu veux changer de nom? J'ai jamais dit que je voulais changer de nom. Mais c'est ça que tu viens de dire. Tu veux en trouver un pour toi. Et non, un sujet de recherche. C'est ça qui m'énerve. Oh. Je pourrais jamais en trouver un avant de dormir. Oh. J'avais pensé à parapluie et parapluie. Ou j'ai pensé aussi à... tu sais, là, les bouilloires qui sifflent. Mais je me suis dit que tout le monde pouvait parler de ça. Après, qu'est-ce que tu penses des escaliers roulants? Ah oui, c'est pratique. Qu'est-ce que tu penses de Bête Bulle? Ben, cherche encore un nom pour la houppette, toi? Mais c'est pour ça que je suis venue. Oh! Ça serait plus important de trouver un sujet de recherche. Pas d'accord. Un nom, c'est important, c'est pour la vie. Et un nom, tu peux en trouver un n'importe quand. Oh, ben allez, aide-moi, hein? Je suis sûre, là, que ça va m'aider à l'apprivoiser. Bon, d'accord. Laisse-moi me concentrer un peu, là. Oui, c'est ça. Concentre-toi. Je commence à être tanné, là. Pas belle, ta musique. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je lui dis ma façon de penser. J'ai le droit. J'aime pas comment tu lui parles. Ben, si tu veux pas que je lui parle comme ça, fais la terre au plus vite. J'ai une grosse journée demain. Besoin de dormir, compris? Si tu continues à t'énerver comme ça, là, tu vas faire un gros cauchemar. Ben, au moins, quand je fais un cauchemar, je dors. Oh, pauvre Oupsette. C'est comme Robin, ça, avec son nom, Toupette. Ça valait bien la peine qu'il se concentre pendant 10 minutes pour trouver un nom comme ça. Bon, gazette, non, ma bille, pinçonnette, lavette, disquette, couette, réagis même pas. Oh, moi, je suis fatiguée. Je vais continuer à chercher demain. Voyons. Est-ce que le ours peut bien avoir à temps qu'il y ait comme ça? C'est pas son habitude, pourtant. Il faut qu'il arrête, il va réveiller tout le monde, lui. Chut! Salut, le ours. Veux-tu bien me dire ce que tu fais dans une cage, toi? Oh, oui. Ah, je le sais. T'as fait un mauvais coup, toi. T'as fait un mauvais coup, puis on t'a mis en pénitence. T'es chanceux que j'ai le cœur sensible, moi. Ben, ça m'étonne que tu sortes pas. Bon, ben, fais ce que tu veux, hein? Oh, mais bonne nuit, hein? Dedans! Qu'est-ce que tu fais? Oh, ce n'est que du fil.
Un trou? Moi, j'ai pas vu ça hier, moi. Hé, hey, mais qu'est-ce que vous faites? Stella, viens ici, veux-tu? Oui, j'arrive, mon oncle. Ah oui, pas rien. Bon, on a réuni le conseil de famille. Stella, je ne sais pas si tu t'en as aperçu, mais on a un problème avec la houpsette. Comment ça, un problème? Écoute, Stella, la nuit a été catastrophique. Oui. Mes fils, regarde mes fils, Stella, c'est la houpsette qui les a grignotés comme ça. Puis moi, quand je me suis levé, là, j'ai marché sur un tapis de céréales. Mes bonnes céréales, où sont? Ouais, et puis moi, regarde, la houpsette s'est amusée à visionner mes documentaires, mais sans magnétoscope. Oh, je comprends maintenant. Ah, elle comprend quelque chose, oui. Oui, je comprends pourquoi mon oreiller était percé. Mais c'est à cause de la houpsette. Elle s'est promenée partout. Il y a une chose que je comprends pas, par exemple. Quoi? Mais comment elle a fait pour sortir de sa cage? Ça, c'est de ma faute. Je sais pas où j'avais la tête, moi, hier soir en entrant. J'ai complètement oublié qu'elle devait arriver d'un jour à l'autre. Je l'ai pris pour notre oups. C'est tout. Mais dans le fond, le responsable des dégâts, c'est toi, papa, hein? C'est pas la houpsette? C'est vrai. C'est vrai, Stella. Mais il reste. Il reste que tant qu'elle n'est pas apprivoisée, elle est un vrai danger public. Oui, mais il faut lui donner une chance. Elle vient juste d'arriver. Oui, c'est vrai, ça aussi, Stella. Et on va essayer encore quelques jours. Mais s'il ne s'est pas amélioré, il faudra peut-être se faire à l'idée de s'en séparer. Oui, et c'est ce que je pense, moi aussi. Sur ce, salut! Minute, là, hein? C'est pas pour quelques fils. Fais-toi pas de peine avec ça, ma petite poutine, hein? Moi, il faut que j'aille au gymnase. Prends-toi un bon déjeuner, là, ça va te faire du bien. Hein? Non, mais attendez, là! Elle fera plus jamais ça, je vous jure, je vais m'en occuper, moi. Moi, il faut que je me rende à mon symposium. Mais tu sais, Stella, il ne faut pas trop que tu te tracasses avec ça. Hein? Je ne perds pas espoir. Non, et laissons le temps faire son œuvre. Et la houpsette va peut-être finir par s'habituer à nous, hein? Allez, à plus tard. Non, on va pas s'en séparer. Jamais, je veux pas. Si elle s'en va, mon houps, il va retomber malade. Il va mourir d'ennui s'il est plus là. Oh non, il faut que je fasse quelque chose. Et où, Stella? Je viens voir la houpsette. Est-ce que tu vas venir faire ton travail de recherche tout à l'heure? Non, ça va assez mal. J'ai trop de choses importantes à faire ici. Des choses comme quoi? Il faut que j'apprivoise la houpsette. Ou plutôt, tu comprends? Non, je comprends rien. Parce que je me demande comment tu vas faire pour faire ton travail de recherche, toi. Les feux de la circulation, là, tu comprendras jamais ça, toi, hein? Bon, au feu rouge, tu arrêtes. Au vert, tu peux avancer, hein? Mais toi, t'es bien trop... Oui. Assis. Bon, assis, là. Reste tranquille, assis. Si je t'amène dehors, là, c'est parce que je sais que tu es habitué de prendre l'air, hein? T'as besoin de beaucoup d'espace. Je te comprends, moi. Mais si tu continues, là, à me causer des problèmes comme ça, là, je te sortirai plus jamais, hein? Plus jamais! Ah, le soleil! Il fait tellement du bien. Il fait tellement du bien, lui, des fois. Voyons! Ma houpsette! Où est-ce que t'es passée? Qu'est-ce qu'elle va faire? Une houpsette sauvage perdue en pleine ville. Quelle déception, mes amis. La houpsette sauvage est disparue. Où peut-elle bien être? Stella est très inquiète. Son projet d'apprivoiser la nouvelle houpsette n'a pas beaucoup de succès. Elle a fait de nombreux essais pour réunir les deux animaux. Elle est si pressée de réussir qu'elle en oublie l'école. Arrivera-t-elle à retrouver la houpsette? Robin, de son côté, réussira-t-il son projet de recherche? C'est ce que nous verrons dans la suite de la palpitante aventure de Robin et Stella. On a vu que Stella se faisait une joie d'attendre la nouvelle compagne du Oups. Mais la sauvagerie inattendue de la Oupsette la bouleverse. Elle aimerait tellement que les Oups s'entendent et fassent des bébés. Captivée par les Oups, Stella en oublie l'école et néglige son travail de recherche malgré l'insistance de Robin. Malheureusement, la Oupsette profite de la nuit pour faire plein de dégâts dans la maison des Franqueurs. Stella, craignant que la famille ne s'en sépare, essaie en toute hâte de l'apprivoiser.
Hélas, lors d'une promenade, la houppsette prend la fuite. Voyons vite la suite de la palpitante aventure de Robin et Stella. Elle est très, très jolie. Bon, si je te comprends bien, ta houppsette, c'est un animal plutôt rare. Elle ressemble à une boule de poils. Oui, c'est ça. Pas plus haute que ça et pas plus large que ça. Et est-ce qu'elle portait une médaille? Non. Ah. Ça, on peut pas dire que ça va nous aider. J'ai regardé tout votre catalogue, là. J'ai pas trouvé un seul animal qui peut ressembler à ma houppsette. Peut-être que vous avez pas pris sa photo? Pourtant, on prend toujours des photos. Ah! Attendons un peu, toi. Oui. Tiens, 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 tiens. C'est elle? Ah! Oh, oui, 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 c'est elle! C'est là, elle. Là, ça me revient. Elle a été prise dans un parc. Oui, elle s'amusait à faire peur aux écureuils et aux oiseaux. Ah, elle faisait juste les agacer, hein? Bouge pas, là. Je vais aller la chercher. Oui. Oh, wow. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Il y a quelqu'un qui est passé et, qui connaît bien les animaux. Et elle a été adoptée. Adoptée? Oh non! Mon oncle Darius me l'avait dit aussi de la laisser tranquille. Vous êtes sûre qu'elle a été adoptée? Eh oui. On lui a même fait un dossier. Elle n'était pas enregistrée. Puis il y a quelqu'un qui est passé avant toi. Oh! Excuse-moi un instant. Le bureau de la SPA, bonjour. 112 rue des Épinettes. Oui, madame. Oui. 112 rue des Épinettes, appartement. Oui, oui. Oui. D'accord, madame. Vous n'avez qu'à passer ici. Appartement 3, c'est ici. Olga Minoucha. J'ai bien fait de regarder dans le dossier pendant que le préposé était occupé au téléphone. Peut-être qu'il n'avait pas le droit de me donner l'adresse. Je suis certaine que tu vas comprendre, Madame Olga. Entrez. Bonjour, madame. Est-ce que vous êtes bien Madame Olga Minoucha? Oui, c'est bien moi. Entre, ma petite. Entre. Je suis venue pour vous dire que Un instant. Mon petit doigt me dit que mon petit animal vient de se réveiller. On va bien voir si j'ai raison. Bonjour, ma petite chérie. Oh, tu avais sommeil? T'as fait bruit de dos. Attention, madame, elle va vous mordre. Oh, Frisette me mordre. On voit bien que tu ne la connais pas. C'est l'animal le plus doux que j'ai jamais eu. C'est vous qui la connaissez pas. Excuse-moi, je dois nourrir ma petite Frisette. Elle est très gourmande, tu sais. Et reste avec elle pendant que je vais chercher nourriture. Pourquoi tu t'es sauvée dans le parc? Je t'ai cherché partout. J'étais inquiète de plus jamais te trouver. Un animal doux, ouais. C'est tout un nom, ça, Frisette. T'es même pas frisée. Tiens, ma Frisette. Tiens, mange. Je suis bon, hein? Elle mange dans votre main? Oui, bon, bien sûr. Elle est gentille, ma Frisette. Et elle est obéissante aussi. J'aimerais bien savoir comment vous faites. D'abord, il faut toujours gagner la confiance des animaux. Ils sont comme ça, les animaux, ils n'aiment pas être brusqués. Et puis, ici. Et puis, regarde. Frisette, écoute-moi bien, ma douce. Je veux que tu te couches doucement, c'est ça, oui, bonne fille. Mais comment vous faites? C'est une recette. Où je mets 3 brins de patience et 2 doigts de douceur. Laisse-toi flatter, ma Frisette. J'aimerais ça savoir comment vous faites. C'est pas compliqué. Il faut tout simplement savoir parler aux animaux, les comprendre. Vois-tu,
Je suis à la retraite, mais pendant des années, j'ai été propriétaire d'une animalerie. Une animalerie? À vous toute seule? Oui. Tiens, viens voir mon album. Et... Bon, oui, ça, c'est vous. Oui. Oh, tiens, ici. C'est un petit singe qui s'appelait Baba Orom. Ah, Baba Orom. Oui, oui, oui. Ça, c'est Grisou, mon chat. Ouais. Oh, lui, il jouait toujours avec une petite balle rouge. Hein? Quoi? T'as soif, mon Grisou? Bon, oui, j'arrive tout de suite. Comment elle a fait pour savoir qu'elle avait soif, elle? Ah, ma petite oupsette, hein? T'as l'air plus en forme, hein? Tu vas sûrement t'entendre avec mon ours maintenant. Bon. Mais là, il faut que je parle à Madame Olga. Il faut que je lui dise qu'elle est à moi. C'est difficile. Allez, viens, oupsette. On rentre à la maison. Allez, viens. Instant, oh, 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 un peu de patience, j'arrive. Oh, qu'est-ce que je vous en Madame Olga, j'ai quelque chose de très gentille. Important. Gentille! Ma frimousse, ma frisette à moi. J'ai maintenant mon petit rayon de soleil. Tu m'appelles au Japon pour une devinette. Et tu viens certaine que c'est ça? Dans ce là, tu es la reine des idées farfelues, toi. Oui, c'est aussi parce que je m'ennuie. Mais une devinette, ça va te changer les idées, non? Ah, pour me changer les idées, oui, tu as bien raison. Bon, alors vas-y, c'est quoi ta devinette? Bon, disons là que t'as un chat. Oui, j'ai un chat, oui. Oui, et tu perds ce chat. Oui, je perds le chat. Oui. Mais pourquoi je perdrais ce chat? Tu sais bien que je le laisserai sous ta surveillance, Stella, parce que je sais que tu y ferais bien attention. Oui, j'en prendrai bien soin, c'est sûr. Mais disons que tu le perds, là, hein? Bon, d'accord, je perds le chat. Et que quelqu'un trouve ton chat. Hey, quelqu'un trouve mon chat, continue. Et que quand tu irais le chercher... Mon chat? Oui. Minute. Attends, j'ai du mal à te suivre, Stella. Je vais chercher le chat. Oui. Oui. Quand tu irais chercher le chat, la personne qui l'a trouvé l'aimerait beaucoup. Et si cette personne-là te disait, là, que ton chat est devenu pour elle, là, son rayon de soleil, qu'est-ce que tu ferais? Eh bien, puisque tu me demandes mon avis, Stella, je lui expliquerai la situation. Oui, mais c'est pas toujours facile, hein? La personne qui croit que ton chat est à elle va avoir de la peine. Ah bien là, celle-là, à ce point-là, disons que je lui dirais de le garder. Hé, hey, mais non, tu y penses pas? Si c'est un chat rare, je sais pas moi, un des chats les plus rares de la planète. Un chat aussi rare, c'est pas mal rare. Enfin, tu veux dire rare comme quoi, je sais pas moi, un ours, rare comme... Oui, quelque chose comme ça. Écoute, Stella, pour moi, la meilleure solution, c'est toujours de mettre les choses au clair. Hein? Stella? Hein? Allô, m'entends-tu? Oui, oui. Mais là, il faut que je te laisse. Robin arrive. Tu ris, ma frisette. Ben encore, digli-gli, encore. Chut, chut, chut. Mets-toi là. Ne bouge plus. Qui est là? C'est Madame Guérapin, votre propriétaire. Il faut vraiment que tu ne bouges plus, là. Oh, bonjour, Madame Guérapin. Comme vaut cette visite? J'ai tout entendu de chez moi. Qu'est-ce que vous voulez dire, Madame Guérapin? J'ai entendu des rires. Oh, moi rire? Oh, pourquoi? Et avec qui? C'est justement ce que je suis venue voir. J'ai l'oreille fine, vous savez. Mais pourquoi aurais-je ri? Parce que vous étiez contente. Voilà pourquoi vous avez ri. Et maintenant, avouez. Avec qui riez-vous? Est-ce que par hasard, ça ne serait pas avec un animal que vous hébergez? Un animal, Madame Guérapin, mais depuis quand? Je sais que vous aimez les animaux. Alors, permettez-moi de vous rappeler la clause du bail qui vous interdit de garder tout animal, qu'il soit rampant, volant, marchant à deux pattes, à quatre pattes, etc. Etc. Etc., c'est ça.
Si vous ne respectez pas cette interdiction, c'est... C'est la porte. Je vais vous mettre à la porte. Ah, que je ne trouve jamais le bout du poil, du bout de la queue d'un chien, d'un chat, d'un rat... Etc. Etc. C'est ça. Parce que c'est la porte. Là-dessus, je ne vous salue pas. Bonjour quand même, Madame Grappin. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire, toi? Oh, je sais pas, c'est difficile. Mais tu sais pas qu'est-ce que tu ferais à ma place? Mais c'est pas de ma faute, je cherche encore mon sujet pour ma recherche. Oh, tu parles encore de ça. Oh, il pourrait tomber une bombe, là, sur la ville, puis tu penseras encore à ta recherche pour l'école. Mais penche-toi pas, là. Faut que je trouve quelque chose d'original. Hmm. T'as pas une idée, toi? Oh, t'es énervant avec ça. Oh. Bon. Tu vas pas commencer à bouder, là? Mais je boude pas, mais toi aussi, tu vas en avoir un travail de recherche pour l'école. Mais tu te rends pas compte qu'il y a des choses plus importantes qui me préoccupent? Hmm. C'est pas en faisant une recherche pour l'école, là, que je vais trouver le moyen de reprendre ma houppette sans faire de peine à Madame Olga. Mais peut-être. Mais de quoi tu vas avoir l'air, toi, quand ton tour va venir? Hein? Tu seras jamais prête. Oh, j'ai pas le temps de penser à ça. Puis l'école, là, quand on n'a pas le goût d'y aller, c'est super plate. Mais moi, j'aime ça, aller à l'école. Maintenant, là, c'est ma houppette qui m'intéresse. C'est sûrement pas l'école qui va m'aider à trouver quoi faire. Mais tu sais pas... Je vais trouver moi-même la solution. C'est l'idée de mon oncle Darius qui est la meilleure. Je vais aller parler à Madame Olga. Tu veux pas m'aider? Bon, je vais y aller toute seule. Je vais tout lui expliquer. Elle va sûrement comprendre. Stella! Oui, quoi? T'as une idée? Non. Oh. Salut! Pour faire plaisir à tout le monde, là. Hey, tiens. Je vais en profiter pour fouiller dans la bibliothèque de Darius. Ça va me donner des idées. Entrez. Bonjour, Madame Olga. Je suis venue pour... Je suis contente de te revoir. Oui? Je vais enfin pouvoir raconter à quelqu'un la peine que je viens de vivre, si tu savais, ma pauvre petite. Mais qu'est-ce que t'as, Madame Olga? T'as pas l'air dans ton assiette. J'arrive tout juste de la SPA. Je suis allée reporter mon petit rayon de soleil. Comment ça? Ma propriétaire voulait me mettre à la porte si elle trouvait un animal chez moi. Alors, pour ne pas perdre mon appartement, j'ai rapporté Frisette à la SP. Mais elle t'aurait pas dû faire ça, madame. Madame Olga. Si tu savais la peine que j'ai maintenant. Non. Pleurez pas. Oh, mais qu'est-ce que je pourrais prendre? Le train, le téléphone, il y a plein de bons sujets. Les chandelles ou l'ordinateur. Ah oui, ça. Ah, bonjour, Darius! Ah, Robin, est-ce que Stella est là? Non, elle est partie. Est-ce que tu sais si elle a résolu sa devinette de chat? Non. Bon. Eh bien, dans ces conditions, je rappellerai un peu plus tard. Oui, excuse-moi, Robin, mais je suis pressé, car il y a un scientifique japonais qui s'apprête à faire la démonstration d'une caméra miniature et pas plus grosse qu'un livret d'allumettes. Alors, tu comprends, je ne voudrais surtout pas manquer ça. Oui. Hé, attends. Moi aussi, j'ai un problème. Je suis sûre que tu peux m'aider. Pas une devinette de chat, toujours. Non. Un vrai problème. Ah, et j'espère que ton problème est aussi miniature que la caméra de mon japonais. Ben pour moi, là, il est aussi gros qu'une caméra de télévision. Ah. Il faut absolument que je trouve une découverte là, qui a changé la vie. Oh, les grandes découvertes. Mais il y en a plein, Robin. Mais je le sais, mais il faut pas qu'elle soit compliquée. C'est une recherche pour l'école. Ah, les découvertes. Je pourrais t'en parler longtemps. Mais moi, ce qui me fascine dans le phénomène des découvertes, c'est que la plupart d'entre elles ont été faites par hasard. Oui, je te le dis, Robin. Hein? Par hasard. Ah, mais je comprends pas ce que tu veux dire. C'est simple. On cherche une chose et on en découvre une autre. On cherche une chose et on en découvre une autre. Oui, et quelquefois, une autre encore meilleure. Mais comme je te dis, Robin, je suis pressé. Alors, écoute, bonne chance. Et je suis certain qu'avec ton imagination, eh bien, tu vas trouver un bon sujet. Allez, au revoir. Au revoir.
Qu'est-ce qu'il veut dire, lui? Voilà, monsieur. Vous n'avez plus qu'à signer ici. Voilà qui est fait. C'est tout. Au revoir, monsieur Bisbille. Au revoir. Bon, regarde où tu vas, toi. Excusez-moi. Pas nécessaire d'être aussi bête. Non, mais c'est vrai, un accident, ça peut arriver à tout le monde. Ah, c'est toi. Tu reviens me voir? Oui, je vais adopter la houppette qu'on vous a ramenée tantôt. T'as vraiment pas de chance, toi. On vient tout juste de la réadopter. Si tu m'avais laissé ton numéro de... C'est qui, quoi? Mais qui l'a adopté? C'est le client qui vient de quitter. Monsieur Bisbille. Oh non, il faut que je le rattrape. Hé, hey, minute! Comme ça, on découvre des choses importantes par hasard en cherchant autre chose. Hé, hey, je pense que je commence à comprendre. Si je me mets à chercher autre chose par hasard, je vais peut-être trouver mon sujet de recherche. Je l'ai. Mon bas bleu avec des lignes rouges. Ça fait 6 mois que je l'ai pas vu, lui. Ah oui. Ça, là, c'est une bonne idée. Ça marche donc bien vite, lui. Je le vois tourner le coin de la rue, puis... disparu. Oh. Bonjour, Madame Olga. Oh, bonjour, Stella. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ça paraît tant que ça. Disons que tu as un petit air qui ne ment pas. Je suis allée à la SPA. Je voulais reprendre Frisette. Et juste avant moi... elle a été adoptée. Oh, déjà? Oui. On n'est pas chanceuse, hein, Madame Olga? Oh, tout ce que je souhaite, c'est que ma Frisette soit tombée dans une bonne famille. Ah, oh, mais je sais qu'il a adopté. C'était Monsieur Bisbille. Monsieur Bisbille? Oui? Le dompteur du cirque. Ça doit être lui. Tu le connais? Je ne peux pas croire. Quel malheur! Je ne peux pas croire que ma Frisette soit tombée entre les mains de cet affreux personnage! Je sais qu'il est bête comme ses deux pieds quand on se cogne sur lui, mais qu'est-ce qu'il a de si affreux? J'ai très bien connu ce Bisbille, à l'époque où je tenais une animalerie. Ah oui? C'était un client. Le pire de tous, tu sais, Stella, les gens du cirque traitent habituellement bien leurs animaux. Et lui? C'est l'exception. Il veut même vendre des animaux dans un piteux état. Souvent, je devais les soigner pendant des mois. Oh, Stella! Si tu savais comme j'ai de la peine pour ma Frisette. Mais qu'est-ce qu'il peut lui faire? La brutaliser. Hein? La tyranniser. Mais c'est effrayant! Et moi, qui pensais qu'il se contentait maintenant de donner ses spectacles avec son Astropus savante. Pauvre petit, mon petit Astropus, comme je l'appelais. Mais on peut pas laisser Frisette entre les mains de quelqu'un de si méchant. Non. Il faut trouver une solution. Oui. Réfléchissons. Vite. À moins que... À moins que quoi? S.P.A. Société pour la protection des animaux. Qu'est-ce que tu veux dire, Madame Olga? On pourrait amener un témoin. Oh. Je sais très bien où trouver ce Bisbille. Je comprends pas, là. Bien, je t'expliquerai en chemin. Oui. Je suis très fier de ma nouvelle acquisition. Encore une fois, je serai célèbre. Vraiment, Couscous, tu rehausseras mon spectacle. Allez, ma belle, au travail! Tu sautes ici. Tu passes à travers ce cerceau. J'ai dit que tu passais à travers ce cerceau. Allez, viens, dans le cerceau. Ah, comme ça, tu ne veux pas. Eh bien, tu l'auras voulu. Tiens, voilà le sort que je réserve à ceux qui me résistent. J'espère que tu vas comprendre le bon sens.
Bon. Maintenant, tu vas faire ce que je te demande. Entrez! Et toi, laisse-moi être tranquille. Monsieur Bisbille, le monsieur ici présent s'intéresse justement à ce que vous faites. Ah oui, oui, je le reconnais. Je suis inspecteur de la SPA. J'ai beaucoup de respect pour les gens du cirque, mais j'aimerais quand même vous poser quelques questions. Oh, c'est avec plaisir que je vous reçois ici. Allez, couscous, tu auras de la bonne nourriture si tu continues à être gentil. Si vous saviez comme je prends soin de ma couscous adorée. Tu es hypocrite. Couscous, ça tient pas debout comme nom. Vous savez, madame, tout me semble absolument en règle. Il vous joue la comédie? Sans preuve, on ne peut rien faire, madame. Il l'a appelé couscous. Ce n'est pas suffisant. Excusez-moi, je dois vous quitter, mais si vous avez des preuves, n'hésitez pas à me rappeler. Au revoir, monsieur. Ah, vous! Encore vous, toujours vous! Madame Olga Minoucha, je vous demande officiellement de vous mêler de vos affaires. Les animaux sont de mes affaires. Eh bien, occupez-vous de tous les animaux de la Terre, mais laissez les miens tranquilles. Sinon... Sinon quoi? Sinon, ma vengeance sera terrible. Bon, on rentre. On rentre, viens. Les cris de ma petite frisette me brisent le cœur. Je suis certaine qu'on va réussir à faire la preuve. Allez dehors, allez prendre l'air. J'ai plein de choses à faire, moi. Je comprends rien au système de Darius. Pas trouvé mon bas ni mon sujet de recherche. Herbert! Qu'est-ce qu'il y a? Peux-tu me prêter ton appareil photo? Tu sais, celui qui sort des photos, là, instantanément? Oh, je sais pas où je l'ai mis, hein. Non. Attends. Il est peut-être ici. Vite, j'en ai besoin tout de suite, là. Oui, habituellement, je le mets toujours ici. Mm-hmm. Ah, tiens! Yeah! Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Oh, j'ai pas le temps de t'expliquer. Hey, as-tu repris ta houppe? Je t'expliquerai ça plus tard. Je la reprends. Ah, mon jeu de parchésie. Ça, c'est quoi? Ah, mon microscope. Ça fait longtemps. Le microscope. Ça, c'est une découverte qui a changé la vie. Mais oui. Hey. L'oncle Darius avait raison. En cherchant l'appareil photo, j'ai trouvé mon microscope. Tu sautes! Couscous, tu vas sauter. Ici, Couscous! Oh, non! Ah, tu ne veux pas sauter. Eh bien, voilà! Oh, le méchant! Bon! Et tout ça maintenant. Va bientôt finir. Allez, Couscous! Bientôt, je vais avoir la preuve que Bisbille maltraite ma houppette. Allez, saute! Tu as sauté! Saute! Voyons! Y a rien que ça! Oh non! Y avait pas de film dans mon appareil! Oh, oh, nous voilà en plein drame. L'imprudente Stella paraît en bien mauvaise posture. Après avoir plusieurs fois recommencé sa recherche à zéro, et malgré l'aide d'Olga Minoucha, Stella se retrouve dans une aventure qui pourrait tourner mal. De son côté, Robin est plus heureux. Il a trouvé une idée pour son projet. Pourra-t-il aider son ami? Et Stella, arrivera-t-elle à se tirer des griffes du méchant Bisbille? C'est ce que nous verrons dans la suite de la palpitante aventure de Robin et Stella. Stella est très impatiente d'apprivoiser la houppette. Elle se risque à l'amener au parc, mais malheur, l'animal s'enfuit. De son côté, Robin a enfin trouvé le sujet de sa recherche, le microscope. Stella découvre qu'Olga Minoucha a adopté la houppette et l'aime beaucoup. Hélas, la propriétaire d'Olga l'oblige à renvoyer l'animal et la houppette tombe entre les mains du méchant Bisbille. Stella, voulant faire la preuve qu'il maltraite ses animaux, se fait prendre par le dompteur en colère. Voyons vite la suite de la palpitante aventure de Robin et Stella. Réponds quand je te parle! C'est une recherche pour un travail à l'école?
une recherche sur les espionnes qui mettent leur petit nez partout et n'ont pas d'affaires. Oui, oui, c'est ça. Je le savais. Non, c'est pas ça du tout, non. C'est une recherche que je fais sur les grands dompteurs d'animaux sauvages. Les grands dompteurs, dis-tu? Oui, c'est ça. Voilà qui devient très intéressant. Tout à fait humblement, je dois avouer que je suis un grand dompteur. Le plus grand de tous. Aimerais-tu connaître ma méthode de dressage, par hasard? Oui, certainement. Eh bien voilà, les choses sont très simples. Ma méthode est efficace. Il suffit d'avoir une pointe de fer et de savoir manier la cravache. Jusqu'à maintenant, aucun animal ne m'a résisté. Aussi gros, aussi petit soit-il. Oui, c'est très intéressant, ça. Une pointe de fer. De fer, oui. Aimerais-tu voir quelques petits tours que je fais exécuter à Ziggy, mon astropus savante? Oh non, Ziggy, la pauvre petite astropus. Oui, bien sûr. Regarde bien, Bisbee, le dompteur de fauves. Oh, mais qu'est-ce qui lui prend tout à coup de sauter ainsi? Ziggy, viens ici. Ziggy, tu m'écoutes? Ziggy, le temps des folies est fini, hein, Nini? Tu reviens dans ta petite boîte. Ici, Ziggy de malheur, ici! Ah non, cet animal est à moi, il est à moi! Reviens ici tout de suite! Oh malheur! Oh Ziggy, où es-tu? Ziggy, viens ici, Ziggy. En tout cas, là, il n'a jamais réussi à m'attraper. Mais il était tellement drôle, Madame Olga, là. Oh, je te jure, là, il était à quatre pattes. Il cherchait son astropus sauteuse. Oh, mon pauvre petite belle, comme je l'appelais, ma petite astropus chérie. Bien sûr. C'est d'ailleurs moi qui l'ai baptisée Ziggy. Oh. À l'époque où elle vivait sur un des chats de mon animalerie. Pour l'astropus, hein, j'ai rien pu faire. Je l'entendais rebondir, mais je la voyais pas. Au moins, on a notre oupsette. Oui. Oh, si tu savais comme je suis soulagée. Tu as été brave. Tu sais, moi, je ferais n'importe quoi pour sauver les animaux, hein. Oui, oh, je te comprends, mais... Quoi? Eh bien, j'ai toujours le même problème. Je suis dans l'impossibilité de garder ma frisette à cause de ma propriétaire. Mais moi, Madame Olga, je suis prête à l'adopter. Oh, tu ferais ça? Oui, tout de suite. Mais j'aurais un petit service à te demander. Un service? Oh, mais c'est pas difficile, hein? Non, en tout cas, pour toi, ça n'a pas l'air difficile. J'aimerais ça que tu m'aides à l'élever, que tu l'apprivoises, qu'on réussisse là à lui faire comprendre les choses qu'il faut faire, les choses qu'il faut pas faire. Mm-hmm. Moi, t'aider à l'élever, hein? Oui, t'as tellement le tour, hein? Mm. Et tu sais, là, chez moi, j'ai déjà un oups, hein? Oui, c'est un mâle. Et j'aimerais tellement ça, là, qu'ils s'entendent bien tous les deux. Mm. Il y a juste toi qui peux m'aider. Oh, à bien y penser, c'est une très bonne idée. Oh, merci. Je vais tout de suite aller chercher mon ours. La dingue dit qu'on peut voir comment il fait un grain de sel. Hey, je pensais jamais que c'était comme ça, un grain de sel. On aurait des cristaux. Ben, je l'ai. À l'école, je vais leur montrer des grains de sel dans un microscope. Bon, qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Oh oui, une goutte d'eau. Tiens. Hop. Ça va être super, une goutte d'eau. Ouais. Wow! Et ça bouge là-dedans! Une vraie planète! Ah! Bon, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? On va commencer par voir ce qu'ils ont à se dire. Tu vas comprendre, toi? Non, mais on va bien voir s'ils se disent des mots doux ou bien si... Ah, ils vont plutôt se dire des gros mots. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Chut, c'est normal. Tout le monde ne s'entend pas toujours du premier coup. Oh, tu vois. Sous mes doigts, le cœur de Frisette bat très, très vite. Ça veut dire qu'elle est très énervée. Éloigne un peu ton oups quelques instants. Oui, mais ils apprendront jamais à se connaître si on les éloigne tout le temps. Pour apprivoiser les autres, il faut prendre son temps. Sinon, on brusque tout.
Ah, c'est vrai, mon oncle Darius, des fois, il me dit, là, il faut laisser le temps faire son œuvre. Et tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire, des fois, là, quand on va trop vite, on risque de tout casser. Ah, c'est ça. Moi, c'est un peu mon problème. Hein. J'attends pas assez longtemps. Oui, qu'est-ce qui te presse tant? Mais, je sais pas. Hein. Mais, c'est parce que j'aimerais ça les voir heureux tout de suite. Oui, oui, mais dans leur tête, les gens ne pensent pas toujours comme nous, hein? C'est vrai, ça. Mon copain Robin, là, que je connais depuis un bout de temps déjà, là, des fois, là, je comprends vraiment pas comment il peut avoir les idées qu'il a. On ne finit jamais de s'apprivoiser. Mais je vais aller faire attendre mon oups sur le palier. Tu vois, ça a bien été cette fois-ci, hein? Au moins, t'as pas mordu le museau. Ah oui, t'as très bien fait ça, mon petit oups. C'est vrai. T'avais l'air d'un oups, là. Très, très bien élevé. Hein? T'es pas d'accord avec moi? Oh non, t'as soif! C'est ça que tu veux me dire! Oh, toi, au moins, je te comprends, hein? Allez, bouge pas, hein? Je reviens dans 5 secondes avec de l'eau pour toi, hein? Tu me promets de pas bouger, là. Merveilleux! Moi qui pensais être obligé de me battre avec Olka Minouche. Cette vieille toque a costumé ma couscous. Douce, reste douce, ma frisette. Faut pas t'énerver pour rien. Il faut rester calme. Tu en as de la chance d'avoir un compagnon, toi. Un ami de ta race. C'est rare ici. Oh, Stella. Oui? Je crois qu'on peut tenter un autre rapprochement. Je vais tout de suite aller chercher mon oups. Alors, tu vas lui faire d'une belle façon? Hé! Hey! Oups, ça a disparu! Ah, couscous de malheur. Tu penserais t'en tirer à bon compte. Mais non! On n'échappe pas aussi facilement à Bisbille. Regarde-moi. Il me semble que tu as un peu changé, toi. Et maintenant, au travail! Tu vas d'abord apprendre à t'asseoir. Allez, couscous. Assis! Tu viens t'asseoir, c'est bien. Et maintenant, couscous, couché. Allez, couscous, couché. Mais c'est extraordinaire. Enfin, je veux être reconnu comme le plus grand dompteur de tous les temps. Celui auquel aucun animal ne résiste. Maintenant, lève le nez. Voilà. Joue avec le ballon sur ton nez. Très bien! Décidément, ton petit tour chez Olga a eu l'air de te faire du bien. Le seul petit problème, c'est qu'elle a décoloré tes cils. Tu étais plus jolie avant, c'est vraiment dommage. Mais enfin, il y en est parfait. Je vais maintenant t'inculquer le sens du rythme. J'aime bien que mes numéros soient agrémentés d'un accompagnement musical. J'ai aussi une musique qui a fait danser des grands-mères, des grands-pères et même leurs vieux parents. Mais tu danses, mais c'est extraordinaire. Elle est déjà toute domptée. Tiens, un petit morceau de sucre. J'ai perdu mon oups maintenant. Ton oups? Oui, il ressemble comme deux gouttes d'eau à la oupsette, sauf que la oupsette, c'est Frisette et mon oups, c'est le mien. Bon, je comprends. Mais je l'ai pas vu, je suis désolé. Oh non. Si quelqu'un vous le rapportait, là, vous dites que c'est à moi, hein? Bien sûr. Tiens. Écris ton numéro de téléphone sur cette feuille de papier. Puis je m'engage à communiquer avec toi si jamais on rapporte ton oups. Oui. Ça va mal. Quand j'en trouve un, il faut que je perde l'autre. C'est le con. Oh, oups. Où est-ce qu'il peut être? Il est apprivoisé pourtant. Il devrait savoir que je m'inquiète.
moins que quelqu'un le nourrisse. Oui. Lui, il pense plutôt à manger. C'est vrai qu'il est drôle des fois quand il mange. Bonjour, les amis. Aujourd'hui, je veux vous parler du microscope. Quand le microscope n'existait pas, les gens ne pouvaient pas voir les microbes, les virus et les grains de sel. Si vous voulez venir ici, là, je vais vous montrer... Oh non. Et ça, c'est un problème. Je peux quand même pas dire à tout le monde de venir voir dans le microscope. Non, ça va prendre trop de temps, ça. Qu'est-ce que je vais changer, là? Ah, ben je l'ai. Oui, je suis bon en dessin. Je vais dessiner les choses comme je les vois dans le microscope. Comme ça, les gens vont pouvoir voir en même temps. Robin! Oh! Regarde! Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est une affiche! Oui, je vois que c'est une affiche, mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Oui, mais regarde comme il faut, là! C'est la houppette? Mais non, c'est pas la houppette! Ah, c'est couscous! Mais couscous, c'est la houppette, non? Mais non, c'est pas la houppette du tout! Mais je comprends pas. La houppette, elle est chez Madame Olga! Olga? Ah oui, je vais t'expliquer. Ah oui, regarde, c'est lui, c'est lui! Non, mais je comprends pas. C'est qui, lui? Mais non, c'est logique. Si la houppette, elle est chez Madame Olga, ça veut dire que le spectacle, c'est avec le oups qu'il le donne. Alors, c'est Bisbille qui a volé le oups! Mais oui, mais... Moi, je pense que j'en ai perdu des bouts, là, dans ton histoire, là. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire, toi? Bon, premièrement, là, tu vas te calmer. Deuxièmement, il faudrait essayer de comprendre ce qui s'est passé. Puis troisièmement, peut-être que Darius peut trouver une idée, quelque chose. Mais non, il est trop loin. On va aller voir Madame Olga, hein? Olga? Oui. Mais oui, Olga Minoucha. Je t'en parle depuis tout à l'heure, là. Ouais. Allez, viens. On est pressé. Laisse tes dessins, là. Ouais. La situation est trop grave. Mais oui, mais... J'espère que le spectacle va être bon. Hé, hey, c'est pas le spectacle qu'on est venu voir. On est venu récupérer le ours. Je le sais, mais ça n'empêche pas d'être bon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous allez assister à un spectacle extraordinaire. J'espère que vous avez les yeux grands ouverts et que vous n'avez pas laissé vos mères à la maison. Parce que j'ai hâte de vous entendre applaudir. Merci. Merci. Et pour commencer, je vais vous présenter mon premier numéro. Celui de Ziggy, mon astropuce à ventre, qui marchera sur un fil de fer. Et ce, sans filet. Allez, Ziggy, au travail. Messieurs, je vois que vous êtes des connaisseurs. Et vous allez certainement apprécier le clou de la soirée que voici. J'ai nommé Couscous, l'étrange bête qui danse. Mais ne vous éloignez pas trop, car le meilleur est à venir avec Couscous. Et surtout, son dompteur, c'est-à-dire moi-même, Bisbille le merveilleux. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et je lis. Tire l'attention de Bisbille au fond de la salle. Pendant ce temps-là, je vais prendre le oups. Non, 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 non! Les spectateurs vous prendraient pour des malfaiteurs. Ah oui, on aurait l'air fin, hein? J'ai une idée! Mais dis-la vite. C'est ton chapeau, Madame Olga, qui m'a donné l'idée. T'as changé le pigeon? T'as mis un autre oiseau à sa place? Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? S'il te plaît, fais comprendre à Frisette qu'elle doit venir avec moi. Oui, allez, Frisette. Va avec Stella. Oui, bien, ma Frisette. J'espère que ça va marcher. Je me demande ce que fait Stella, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Avec Bisbille, il faut s'attendre à tout. Je vais aller voir. Hey! Oups! Oh!
je vois ton idée. Oui, j'ai mis la houppette à sa place. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici donc le grand retour de Couscous. Elle va sauter dans le cerceau. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Allez, Couscous, dans le cerceau. Saute-toi. Regardez, mesdames et messieurs, c'est comme ça que Bisbee élève ses animaux. Oui, il fait mal à la houppette. Je vais aller la chercher. Vous êtes tous témoins. C'est ainsi que Bisbee agit. Oh, ça va mal. Ziggy, viens ici, Ziggy. Viens me voir, Ziggy. Ziggy, je dis ici. Ziggy, tu sais ce qui va se passer si tu ne viens pas immédiatement. Ziggy, reviens donc. Ziggy, s'il te plaît. Sinon, je... Mais moi, là, j'avais surtout peur que Bisbee fasse mal à Frisette. Oh. Heureusement que les spectateurs nous ont aidés. Il avait l'air tellement méchant, là, quand il faisait ça avec ses yeux. Oui. Écoutez. Qu'est-ce qu'il y a? Un son qui ne m'est pas inconnu. Et je crois deviner d'où il vient. Oh, c'est Ziggy. Oh, enfin, elle est délivrée de ce bisbille. Oh, montrez-la-moi. J'aimerais la voir sous le microscope. Oui, tiens. Regarde-la bien. Ah oui, tout de suite. Vas-y. Hey, bizarre! Regarde ça! Ah! On se retrouve, hein? Vous frappez jamais chez les gens avant d'entrer, vous? Oui, si vous venez chercher Couscous, vous allez trouver à qui parler. Je viens pas chercher Couscous. Plus rien savoir de cette bête à deux faces. Qu'est-ce que vous faites ici, Monsieur Bisbille? Je vous somme de me remettre Ziggy. Je suis certain qu'elle est ici. Jamais! Jamais je ne vous livrerai une bête que vous allez maltraiter. Ça se passera pas comme ça. Vous voulez du brass, camarade? Vous allez en avoir. Qu'est-ce que tu veux, toi, gamin? Je peux vous la montrer, moi, votre astropus, si vous voulez. Ziggy, fais ça vite, j'ai plus de temps à perdre. Elle est là. Où ça? Là, là, sous le microscope, regardez ici. Et va voir de quel bois je me chauffe. Ah! Oh, qu'est-ce qu'il lui prend? Au secours! Au secours! Elle est vraiment pas folle, hein, cette petite astropus-là. Elle est intelligente, puis elle est pas peureuse. Non. Elle en connaît donc plus peureux. Ouais. Madame Olga. Oui, Stella. J'ai quelque chose à t'avouer. Oui. Tu sais la houppette là que t'es allée chercher à la SPA. Bien, elle m'appartenait. Je l'avais perdue. À toi, Stella? Mais pourquoi ne le disais-tu pas plus tôt? Tu l'aimais tellement. J'osais pas te l'avouer. J'avais peur de te faire de la peine. Ah bon? Maintenant, je vais la reprendre. Eh oui. Oh, c'est mieux. De toute façon, tu le sais, je ne peux pas la garder. Et puis, oh, elle s'apprivoise. Mais je veux te dire, là, que si jamais tu veux venir visiter Frisette, là, tu vas être toujours la bienvenue. Merci. Et toi aussi, si tu veux voir Ziggy, tu es la bienvenue toujours. Oui. Et toi aussi, Robin. Oh, merci. Ça va faire l'effet quand je vais parler du microscope. Oh, je trouve rien qui m'intéresse. Je serai jamais prête. On avait dit que t'aurais des problèmes. Oui, mais tu sais, j'avais des choses importantes à faire. Tu dois être contente. Ça va très bien aller maintenant avec les Oops. Mais si tu veux savoir, là, j'ai vraiment pas le goût d'aller à l'école demain. Ma recherche est pas prête, j'ai rien trouvé et j'aurais rien à dire. Je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais dire que j'ai pas eu le temps, c'est tout. La maîtresse me mettra zéro.
Non. Tu devrais pas faire ça, Stella. Tu devrais réfléchir. Tu connais sûrement, là, une découverte qui a changé la vie, voyons. Changer ma vie. Changer ma vie. Génial! Et attends, je vais te montrer comment faire, je le sais par cœur. Oui, mais je vais pas perdre mon idée, moi, là. Écoute donc, avant de t'en aller n'importe comment. Bon, d'accord, je vais suivre ta méthode. Explique-moi. Bon, c'est quoi ton sujet? Oh, on verra ça demain. Ben, c'est par ça qu'il faut commencer. Oui, bon, c'est quoi? Comment on fait le plan, là? Eh oui, ma Ziggy, il va falloir prendre un bain tout à l'heure, un bon bain chaud. Bon, non, pas trop quand même. Ah! Cette fois-ci, je suis certaine de vous avoir entendu parler à un animal. Ah, mais pas du tout, Madame Grappin. Je ne suis quand même pas folle, je vous ai entendu. Visitez mon appartement, si vous voulez. C'est ce que je vais faire. D'accord, je me suis encore trompée, mais un jour. Après tout, c'est peut-être une vieille détraquée qui se parle toute seule. Oh, c'est ça. Oh, ouais, je suis surpris. Hier encore, là, t'étais pas sûre de ton sujet de recherche. Je te dis que tu t'en es bien tiré. Merci. J'étais tellement sûre que t'allais faire ça sur la Oupsia. Oh non, c'est Olga Minoucha, la grande découverte qui a changé ma vie. J'avais peur que la maîtresse me dise que mon sujet pouvait pas être accepté. Au contraire, elle a trouvé ça original. Et inattendu, hein? C'est ça qu'elle a dit, inattendu. Et puis moi, avec mes dessins, hey, as-tu vu les autres? Ils étaient impressionnés. Ah oui. Mais une chance que tu m'as aidé à me démêler. C'est en préparant ma recherche que j'ai tout compris, tu sais. Qu'est-ce que t'as compris? Comment j'aimais Olga. Et surtout, comment elle avait changé ma vie. Sais-tu qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller la voir. Je vais lui montrer ma recherche. Oh, puis on va emmener les Oups. Oui! Mais tu sais, le microscope aussi a changé nos vies. Hein? Notre vie à nous? Oui, si j'avais pas été là avec mon microscope, là, j'aurais pu mal tourner avec Bisbee. C'est vrai. Hey, regarde-les! J'avais pensé l'appeler Farouche. Non, hein? Mais Frisette, c'est pas mal non plus. Non, hein? Bon, je vais continuer à l'appeler Oupsette. Ça, c'est une bonne idée. Oui. De toute façon, l'important, c'est que la Oupsette s'entende bien avec le Oups. Oui. Et là, il n'est pas facile, cette farouche Oupsette. Heureusement, Stella sait maintenant qu'il ne faut pas brûler les étapes, mais plutôt prendre le temps de décoder ses comportements. Robin et Stella sont très heureux de leurs découvertes respectives. Chacun à leur façon, ils ont réfléchi et ils ont bien réussi leur travail. Parce que des apprentissages qui nous servent maintenant, on peut en faire partout et autant à l'école qu'à la maison. Ne manquez surtout pas de nous revenir pour une autre et palpitante aventure de Robin et Stella.